Salut à tous les amis, c'est le lapin qui vous parle. Je joue Timo. Enfin bref, voilà, c'est Régis 15. Et aujourd'hui, une petite game en compagnie de mon magnifique Timo Lapin. Une game en Dominion, les amis. Voilà, donc je vous laisse observer les pics. Hein. C'est une normale game en Dominion. Hein. Je suis pas parti en draft Dominion. Vous allez me dire, pourquoi Régis, tu mets une game en Dominion? Je vais vous expliquer tout ça. Mais tout d'abord, on va commencer par parler des League of Abonnés. Il y en a eu beaucoup moins. J'en ai plus tourné du tout, en fait. Car mon seul problème, c'est que la Sijiro Team s'entraîne régulièrement, en fait. Et contrairement à quand les abonnés ne se connaissaient pas et s'affrontaient entre eux, la Sijiro Team qui s'entraîne régulièrement ensemble contre des abonnés pris en aléatoire, random, comme ça, suivant qui sont présents sur Skype le soir où je tourne, ça donnait des matchs qui étaient totalement déséquilibrés. Hein. Je veux dire, la Sijiro Team se connaissait alors qu'en face les gens ne se connaissaient pas. Ça donnait des matchs beaucoup trop déséquilibrés. Donc, ce petit message, cette petite vidéo qui va servir en même temps de vidéo annonce pour plusieurs choses et en même temps de vidéo Dominion avec une game. Je vais vous commenter ça, tranquillou. Alors, donc concernant League of Abonnés, sachez que dorénavant, ils ne se feront qu'avec des gens qui auront préparé des équipes et qui auront des équipes avec lesquelles ils seront entraînés. Donc pour ça, il faudra... ce ne sera plus à moi de venir vous chercher le soir sur Skype quand je filmerai un League of Abonnés. Ça sera à vous de vous former une équipe avec des amis à vous, à vous entraîner. Et quand vous vous sentez prêt, vous m'envoyez un message et vous me dites que votre équipe est prête. Voilà. Donc voilà comment se passeront dorénavant les League of Abonnés. On en profitera aussi en passant si vous avez une chaîne YouTube, celui qui filmera justement la game contre la Sijiro Team sera dans la description de ma vidéo. Ça permettra aussi de vous faire des petits coups de pub, parce que sur YouTube, on en a besoin, ça c'est sûr. Donc je vais profiter de cette année qui est très très longue en chargement pour vous parler d'autres choses aussi. Je vous parle des nouveaux League of Abonnés, mais je vous parle aussi de comment vont se faire les League of Abonnés. Ce ne sera plus de la 5-5. Voilà aussi le rapport avec le Dominion. Dorénavant, les League of Abonnés se feront sur la map du Dominion. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez sur YouTube de game en Dominion. C'est pour ça aussi que je fais pas cette annonce sur une vulgaire image de fond. Je vous fais cette annonce durant une game parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de game en Dominion. Et pourtant le Dominion, on l'a essayé avec la Sijiro Team et on s'est rendu compte que quand même il y avait des choses à exploiter. Il y a des petits moves et des petits tricks de légende à tenter, il y a des petites stratégies par rapport au stuff et aux compositions des équipes qui sont très très importantes. Voilà, donc ce que je pense qu'il va se passer, c'est que si on a des League of Abonnés avec des équipes qui s'entraînent sur la map Dominion et qui viennent me voir, il est possible aussi que je fasse un duo commentary avec un autre des membres de la Sijiro Team, puisque vous savez très bien que dans la Sijiro Team on n'est pas 5, on est même 8, 8 dernièrement, il y en a un dernier qui s'est rajouté. Donc voilà, on est plutôt nombreux et c'est pour ça que justement je pourrais me permettre de faire des commentaries pendant que vous jouerez justement contre la Sijiro Team. Ça permettra aussi d'en apprendre un peu plus sur le Dominion. Et voilà, donc là, concernant mon stuff, on va faire cette partie en Dominion avec vous, je vais la commenter bien sûr. Moi je pars sur des bottes de déplacement améliorées 2, ça c'est clair et net. Et je pars aussi sur un item de puissance qui me permettra de préparer en fait mon... pas une pioche de Kage, je raconte n'importe quoi. Bienvenue dans la brèche de cristal. Ça c'est bizarre, il y est pas là. Si, le codex méphitique en fait. Je prépare un codex. Voilà, donc mon petit Timo Lapin. Je suis Timo. Enfin bref, on va aller jouer un peu sérieux, quand même, faut pas exagérer, je vais pas faire l'idiot, je suis pas en train de faire une game troll avec mon Timo. Je suis en train de vous commenter tout ça. Donc, retenez bien l'information, les prochains League of Abonnés nécessiteront que vous ayez votre équipe préparée, et que vous me préveniez que vous voulez en faire un. Et qu'est-ce qu'il fait? Voilà, Lissine va bot s'il te plaît, voilà, et les nouveaux League of Abonnés se feront sur cette map Dominion les amis, voilà. Donc moi j'en profite aussi pour commencer à lancer le Dominion sur YouTube parce que je trouve qu'on en voit pas assez. Let's go. Le combat commence. Tac, petite accélération du Timo. Voilà, donc ça,
C'est dit. Deuxièmement, concernant le rythme des vidéos, il va réduire. Parce que cette année, je suis en période de bac, justement. Donc là, on est en janvier 2013. Il va falloir que les révisions du bac commencent. Et donc, le rythme des vidéos va réduire. Il n'y aura pas zéro. Ça, c'est hors de question. Sachant en plus que... très beau move de la vie, d'ailleurs, qui tempo bien pendant que nous, on prend la tourelle. Par contre, voilà. On s'est fait emmerder. Donc... ah, ça passe pas. Oh là là, il m'interrupte à chaque fois. Attention, le Kha'Zix. C'est fait. Attention, le Teemo qui me DPS. Ah, et tout le monde fuit parce qu'on a plus de vie, ça me saoule. Faut qu'on y retourne pourtant. Tac, ça c'est fait. Moi je vais avoir besoin d'un bac là. C'était un move plutôt compliqué. En plus, personne n'a pris cette tourelle là. C'est très très dangereux. Et je vais pas pouvoir la prendre parce que la Annie va me tomber dessus. Oh là là. Voilà. Quelle erreur. Mais on a un AFK dans notre team. C'est pas la meilleure façon de débuter une game. Donc, je vais continuer à vous parler un peu tout ça. Donc, le rythme des vidéos va baisser. Il y en aura moins. Ce n'empêche, le tournage de Combat Policier saison 2 va commencer dans très très peu de temps. J'ai eu des problèmes d'ordinateur, ce qui nous a encore retardé le tournage de Combat Policier. Et sachez qu'il a été retardé. Aujourd'hui, tout est réglé puisque je vous fais cette vidéo justement. Donc, faites-moi confiance que le tournage de Combat Policier saison 2 va commencer. Il est prévu dans mon planning. Hein. Je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour tourner. Mais sachez que c'est prévu dans mon planning de faire Combat Policier. Ça, c'est obligé. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, donc retenez bien ces deux informations. Le League of Abonnés qui sera en Dominion et qui nécessitera que vous ayez préparé des équipes à l'avance. Je ne prendrai plus des abonnés comme ça en les mettant ensemble en équipe sans qu'ils se connaissent. Ça sera hors de question. Et aussi le fait, je vous l'ai dit, que ça sera sur la map Dominion. Voilà. Oh là là! Putain, ils ont fait un move de légende, j'y crois pas. Ils m'ont bloqué juste avant que je finisse la tourelle. Doublé. Mais non, je peux pas la prendre, je peux pas. Je peux pas, je peux l'interrupte, ça c'est faisable. Mais par contre, je vais pas arriver à la prendre. Oh là 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 là, voilà, la fléchette à bleu blanc du Teemo. Game particulièrement difficile, sachant qu'on a un AFK. Donc, sinon... surtout, retenez bien les deux infos principales. Sinon, moi, quant à moi, je vais me concentrer sur cette game. On va la jouer, et on va la win, puisque voilà, c'est bon, on a pris pas mal de tourelles. Lee Sin a fait un move parfait, il a récupéré la tourelle au bot. C'est très très bien joué, ça. Ça va nous donner pas mal de... ouais, la vie a besoin d'aide, j'arrive. J'arrive. Je fais tout ce que je peux. Interruption. Attaque. Et c'est fait. D'accord, il a bien joué son coup, il avait mis un champi, il m'a complètement brain. D'accord, ce stun qui est complètement pété. J'ai beaucoup trop de temps. Donc là c'est pas très très passionnant, je suis en train de def une tower avec une vie face à une Lux qui a pas mal de range, il faut l'avouer. De toute façon là il faut tenir les points pour faire du DPS. Hein. Là, tiens, prends ça dans la tête toi. Donc, globalement, oh là là, et à la graisse, elle devrait pas. C'est stupide d'agresser comme ça là. Voilà, je vais me faire retourner parce qu'ils sont 15 000. Au revoir. Un allié a été tué. Ils vont récupérer la tourelle au top, bien sûr. C'est évident. Est-ce que j'ai le temps de faire un bac? Oui, j'ai le temps de faire un bac pour aller me chercher du stuff. Go. Le moulin a été capturé par l'équipe ennemie. D'accord. Ça flame. Dans mon équipe, je précise.
Oh là là. Vous avez tué un ennemi. J'ai. Je douille bien. Je commence à faire pas mal de DPS. Un ennemi a été tué. Malgré le bouclier. Oh, on s'en est sorti. Il reste 75% de ses PV à votre Nexus. Un allié a été tué. Un allié a été tué. J'ai le temps que la tourelle comme un porc. Ah, mais j'avais le bouclier. Vous avez tué un ennemi. Très joli move. Assez risqué là par contre. Là, s'il y avait un Ezreal dans le team ou un Karthus, on aurait eu du mal. Hein. Ça, ça fait du bien, les sbires qui se battent avec nous. Moi, il me faut un back encore. Donc là, je vous explique pas trop comment se joue le Dominion. On l'a beaucoup try avec la City Routine. Je vous explique pas comment on joue. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse. Il faudrait que je vous explique comment ça se joue réellement. Parce que c'est assez complexe, il faut pas croire. Par contre, là, qu'est-ce que je fais? Réfléchis à ce que tu fais, Régis. Je cherche toi un item et grouille. Puissance. Un ennemi a été tué. Merci. Non. Faut que je parte sur ma maladie là généralement. Oh, où est-ce qu'elle est, bordel. Là. Tac. Bon, globalement comme ça vous avez aussi un petit aperçu du stuff Timo qui se joue en Dominion. Enfin, comment moi je le joue en tout cas. Enfin, j'espère que cette petite vidéo sur le Dominion vous plaira, j'espère que vous serez nombreux à jouer en Dominion avec la City Hero Team pour venir nous affronter. Oh là là, cette smart cast qui met vraiment, mais c'est un bijou. Donc nous on a récupéré une quête, ça fait plaisir. Il va falloir que je parte sur de la puissance pour que mon A doudouille bien et soit bien bursté. Ça c'est risqué par contre. Ça je ferai pas avec mon Timo. Hein. Je suis un Timo quand même, pas exagéré. Donc là c'est franchement. Oh, le Xin est revenu. On va revenir def, t'inquiète pas, il y a beaucoup de sbires, on l'a vu. Un ennemi a été tué. A priori la game se passe plutôt bien donc je vais pouvoir arrêter de me concentrer autant que ça. Comme je vous disais, je veux dire... Donc là ils viennent nous prévenir qu'il y avait les sbires parce que vous voyez que les sbires quand ils sont nombreux ils prennent bien la tourelle. Moi ce que je fais généralement c'est que je les laisse prendre la tourelle pour pouvoir la remettre full life après. C'est important. Par contre ça demande du temps de faire ce genre de choses. Le Kha'Zix a pris notre tourelle mais bon. Ça ne sera que de courte durée, il ne fera pas ça longtemps. Le moulin a été capturé par votre équipe. Voilà, c'est fait. L'ossuaire a été capturé par votre équipe. C'est parti. Ah ouais, le Kha'Zix il a fait un sacré move en fait. Il a pris presque toutes les tourelles. La vie qui a croisé le Kha'Zix. Vie qui a un très bon choix en Dominion, hein. Je vous le dis, ça a beaucoup de contrôle. Ça a des cooldowns assez bas, ce qui fait qu'en fait, c'est un très très bon choix en Dominion pour temporiser pendant que vos alliés prennent une tourelle en fait. Pas hésiter à faire des backs non plus. Ça c'est l'erreur que souvent les gens font en Dominion. Ils se croient en all middle random, ils attendent de crever pour aller chercher du stuff. C'est vraiment une grave erreur. Un allié a été tué. Hop, c'est parti. Maintenant on fait le fléau de Lich. Après je partirai sur du burst à l'état pur, style la coiffe de Googlette, ce genre d'item. N'ai jamais joué un Timo AD, surtout pas en Dominion. De tempête aussi, ça fait le taf. Hein. C'est comme un Drake en fait. Du moment que vous le filez à quelqu'un qui a énormément. Oh, plus joli le lycée. Du moment que vous le filez à quelqu'un qui a pas mal de vitesse d'attaque, c'est complètement pété. 125 points de dégâts magiques à chaque fois. Faut pas croire, ça met la douille. Hein.
Aïe. Je suis bête, je suis resté en plein milieu, moi. Oh, il dive. C'est aussi important, pensez à prendre des tourelles pendant que vos ennemis dive. Comme ça, au moins, ça coupe la tourelle et ça empêche d'attaquer. Là, ce que vient de faire le Timo, ça s'appelle du tempo. Faire douiller les ennemis. Là, par contre, au revoir. Moi, c'est bon, sans moi, je claque mon heal. Je vais voir s'il n'y a pas l'huile là. Non, je back. Kha'Zix qui fait encore l'idiot. Et je suis assez impressionné de voir que malgré notre AFK en début de game, on a quand même tenu. Faut pas croire, un AFK en Dominion, c'est pire qu'en 5-5. Encore plus dangereux que ça. Oh, bah, c'est une jolie win. Je vais claquer ma... Je sais pas pourquoi il clignote, lui ça pue ça. Un Kha'Zix qui clignote, ça me plaisait pas. C'est son skin mécanique, donc il s'est mis à clignoter, ça m'a pas plu du tout. Je me suis dit, ça pue une attaque bizarre ça. Voilà, c'est la win les amis. Donc vous avez un aperçu du Dominion. J'espère que vous aimerez venir nous affronter sur cette map. Et écoutez, quoi vous dire d'autre? Combat pour les cieux, je vais vous faire plaisir, on va se le mettre à tourner très rapidement. Concernant moi, le League of Legends, vous aurez sûrement, je pense aussi, des games en compagnie de la CG Hero Team, où on jouera sur cette map, puisqu'il faut qu'on vous montre quand même que on try. Et concernant le League of Abonnés, formez vos équipes, entraînez-vous sur le Dominion, et venez nous affronter, moi et la CG Hero Team. Salut à tous les amis, c'était Régis15 et son Timo Lapin. Et je vous dis merci d'avoir regardé.